partie là pour le faire aujourd'hui, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Donc il faut que je fasse attention aussi à ne pas trop entrer de trop dans le détail de tout. Mais normalement, c'est en face. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la vitesse de la lumière. On a abordé un petit peu cette notion-là dans le cours juste avant. Là. Certains pensaient que c'était quelque chose d'instantané, puis on s'est mis à voir que ça ne l'était pas. On a des raisons de s'intéresser à la vitesse de la lumière dans l'eau et de voir comment elle se compare avec la vitesse de la lumière dans l'air. C'est tout ça dont on va parler maintenant. Et alors, donc, je vais vous conseiller un bouquin, donc je l'ai amené ici. C'est Avant Einstein. Alors, ça semble parler d'Einstein et tout ça, mais en fait, c'est un bouquin qui parle d'optique. C'est écrit par Jean Eisenstedt, qui est un historien des sciences. Et plus de la moitié de l'ouvrage est consacré à l'histoire de la vitesse de la lumière. Et il est vraiment remarquablement écrit, c'est vraiment super. Ça se lit soir pour s'endormir, hein. Enfin, sauf pour s'endormir parce que c'est intéressant. Alors, pour resituer les choses, je vous rappelle, vers 1600, c'est vrai que moi j'ai commencé l'histoire un peu après, mais à l'époque où on va commencer l'histoire, la lumière est plutôt considérée comme quelque chose d'instantané. La notion de vitesse de la lumière n'existe pas encore vraiment. Et alors, l'histoire a commencé avec Galilée, en 1638. Galilée commence à poser explicitement la question de la vitesse de la lumière. Et le premier, il imagine une expérience pour essayer de la déterminer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis ici, je vais l'agrandir un petit peu, je vous ai mis ici un extrait du discours sur les deux systèmes du monde dans lequel il décrit en fait l'expérience qui permet de voir la vitesse, éventuellement mesurer la vitesse de lumière, déterminer la vitesse de lumière. Donc voilà, je prends deux aides avec chacun des chandelles qu'il place devant une lanterne ou à un autre abri de façon à pouvoir la masquer et la découvrir à la vue de l'autre par interposition de la main. Tu la vois plus. Hop. Se tenant face à face, à quelques coudées de distance, chacun s'exerce à dévoiler et à dissimuler sa lumière à la vue de son compagnon, découvrant la sienne propre dès qu'il aperçoit celle de l'autre. Laquelle correspondance, après quelques réponses qui se sont faites mutuellement, en deviendra tellement automatique que, insensiblement, au démasquage de l'un, répondra immédiatement le démasquage de l'autre. Donc ils sont entraînés, voilà, ils sont entraînés à faire le truc. Bon. Et que lorsque quelqu'un découvre sa lumière, il verra en même temps paraître à sa vue la lumière de l'autre. L'habitude étant ainsi acquise sur une courte distance, nos deux compagnons s'éloigneront de 2 ou 3 milles avec deux lanternes semblables et accomplissant de nuit la même expérience, observeront attentivement si les ouvertures et les occultations ont lieu de la même manière que plus près. Auquel cas, on pourra conclure avec certitude que la propagation de la lumière est instantanée. Car si elle exigeait un certain temps, à une distance de 3 milles, qui font en réalité 6 si on considère le trajet de la lumière, via l'aller-retour, le délai devrait être tout à fait observable. Et lorsqu'on voudrait faire cette observation sur de plus grandes distances, c'est-à-dire 8 ou 10 milles, nous pourrions utiliser le télescope en installant un observatoire pour chacun, au lieu de la nuit où la nuit, on doit utiliser les lanternes, lesquelles non seulement grandissent alors qu'elles seraient invisibles à l'œil nu à une telle distance, mais plus facile à cacher et à découvrir, à l'aide de télescopes déjà installés et affrétés, pourront commandement être vus. Donc il y a plusieurs choses ici dans ce texte qui sont intéressantes. Donc, la méthode, vous l'avez comprise, la méthode, hein, c'est bon. Il y en a un qui dévoile sa lanterne et puis l'autre fait pas. Enfin, c'est ce qui a été décrit là. Donc ça, je vous l'avais déjà décrit l'autre fois. Le truc intéressant aussi, c'est le passage sur la propagation instantanée. Donc il dit, si ça marche pas, si cette expérience marche pas, on pourra dire que la lumière est instantanée. Ça, c'est pas vrai. Hein. Vous êtes bien d'accord? La lumière, elle est pas. On sait aujourd'hui qu'elle est pas instantanée. Cette expérience, elle a aucune chance de marcher. Simplement parce que la vitesse, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grande par rapport au temps de réaction humain et au temps de réaction de l'œil. Hein. Donc ça marchera pas. Mais ça, c'est assez typique des réflexions de cette époque. Dire qu'on n'imagine pas que la lumière puisse avoir une vitesse aussi grande. Les choses qu'on connaît à l'époque, c'est le son. On commence à faire des expériences sur la vitesse du son. Voilà, le son, c'est 300 mètres par seconde. On peut imaginer que la lumière aille, je ne sais pas, quelques fois, 10 fois plus vite, voilà, mais certainement pas 300 000 km par seconde, comme c'est effectivement le cas. Quoi. Donc il se dit, Galilée, si ça ne marche pas sur 2 ou 3 milles de distance, eh ben, ça veut dire qu'effectivement c'est instantané. En gros, il n'envisage pas que ça puisse être très 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 grand. C'est ou bien grand, ou bien infini. Alors, ça c'est dans un dialogue qui s'appelle « Les deux systèmes du monde », là.
Voilà une petite illustration de l'expérience. Et c'est pas évident de savoir s'il l'a fait effectivement. Donc, il rapporte ça, c'est un des personnages dans le dialogue qui raconte ça. Bon, si Galilée l'écrit comme ça, c'est que probablement il a essayé, mais on n'a pas de détails sur effectivement comment il l'a fait, où il l'a fait, etc. Ça reste assez vague. Et en tout cas, le fait que donc il traduit après quand il écrit plus tard le résultat de l'expérience, il dit que ça n'a pas marché. Donc pour lui, la vitesse est effectivement infinie. Descartes, un petit peu plus tard, 1637, propose un argument plus un argument qui va un petit peu plus loin que Galilée pour dire que la lumière a une vitesse infinie. En fait, ça va être sa conclusion. Et pour ça, il s'intéresse au phénomène des éclipses de lune. Et le raisonnement de Descartes, c'est le suivant. Descartes se dit, quand on a une éclipse de lune, ça veut dire que donc on a le soleil qui est là-bas, la lumière arrive. Alors revenons d'abord sur ce que ça signifie voir le soleil à une position donnée dans le ciel. Quand, depuis la Terre, en bleu ici, on voit le soleil à une position telle qu'indiquée par la flèche, ce qu'on veut dire, c'est que la lumière nous arrive depuis cette direction-là. Plus précisément, si la flèche représente le mouvement de la lumière, on la voit arriver de cette direction-là. Or, le soleil se déplace dans le ciel. Il fait un tour par jour, c'est-à-dire qu'il fait 360 degrés en 24 heures, ça fait 15 degrés par heure. Si la lumière a une vitesse finie, la flèche qu'on vient de représenter là, qui montre la position de la lumière, occupait des positions différentes auparavant, le long du pointillé. Si la lumière se projette en ligne droite, ça suit le pointillé. Bon, repassons le film en arrière, voilà le trajet de la lumière au cours des instants précédents. Quand on repasse le film en arrière comme ça, et qu'on arrive à la distance du soleil, c'est ici, à cette position-là, que devrait se trouver le soleil à ce moment-là, puisqu'il a émis, il était en train d'émettre de la lumière. C'est ce que veut dire la flèche, c'est que la lumière se trouvait à cet endroit-là. Quand le soleil a émis la lumière qui va nous arriver dans la direction indiquée par la flèche, le soleil se trouvait à cet endroit-là. Du coup, si à partir de cette situation-là, on repasse le film à l'endroit, voilà ce qu'on voit. La lumière avance, le soleil se déplace, et on arrive ici dans la situation de tout à l'heure, où on reçoit la lumière dans la direction indiquée par la flèche. On voit que le soleil ne se trouve plus du tout dans la direction des pointillés. Bon, alors ça, c'est quelque chose avec lequel on est familier aujourd'hui, hein, c'est un phénomène connu, avec le son en particulier. Quand on entend passer un avion de chasse, puis qu'on essaye de le regarder, en général, on regarde trop en arrière, l'avion est déjà bien avant la position d'où nous semble provenir le bruit. Alors ici, attention, avec le soleil, la situation est un peu différente. Dans la situation qu'on est en train de décrire ici, on n'a aucun moyen de savoir que le soleil se trouve là où il est actuellement, où se trouve le rond jaune. Nous, tout ce qu'on voit, c'est la flèche. Plus précisément, c'est la lumière qui nous vient de la direction indiquée par la flèche. Et on se dit, tiens, le soleil semble se trouver dans la direction des pointillés. Poursuivons le film un petit peu plus loin. La lumière continue son chemin. Et si on s'arrête là, et si on avait décidé de tracer plusieurs rayons qui ont été émis au même instant par le soleil, au lieu d'un seul, on aurait eu toutes les flèches qui sont dessinées là. Et on voit qu'il y a une zone sans lumière, une zone qui est cachée par la Terre. Oui, bah, c'est ce qu'on appelle une zone d'ombre. Hein, voilà, il y a une zone d'ombre. La Terre masque une partie de la lumière qui a été émise par le soleil. Imaginons que la Lune se trouve à ce moment dans cette région. Elle est donc dans l'ombre. Imaginons que la configuration Lune-Terre-Soleil soit telle que le bord de la Lune, le bord supérieur, soit tout juste éclairé par la lumière qui vient du Soleil. Donc ici, le rond gris touche juste la flèche du haut. Du coup, le bord supérieur de la Lune va réfléchir la lumière qui lui parvient, et une partie de cette lumière réfléchie va repartir en direction de la Terre. Et si on passe le film un pas en avant, eh ben on la reçoit plus tard dans la direction indiquée par la flèche. On voit l'éclipse, la fin de l'éclipse de lune dans la direction indiquée par la flèche. La question qu'on peut se poser, c'est à quelle position dans le ciel se trouve le soleil à ce moment-là ? Semble se trouver le soleil à ce moment-là ? Depuis quelle direction nous parvient la lumière émise directement par le soleil à ce moment-là ? D'habitude, quand on a une éclipse comme ça, c'est parce que les trois objets, la lune, la terre et le soleil, sont alignés. Et donc l'observateur terrestre, qui regarderait à la fois la lune d'un côté et le soleil de l'autre, il les voit à des positions qui sont exactement opposées dans le ciel. Pour voir ce qu'il en est, repassons le film précédent en suivant le trajet de la lumière de manière un petit peu plus précise. C'est parti. Donc, premier instant, la lumière est émise par le soleil. Voilà, alors la lumière avance, le soleil tourne,
la Lune se déplace aussi. Et là, je m'arrête un instant. On va aussi étudier la lumière qui a été émise par le Soleil à cet instant ultérieur-là. On va voir qu'elle va jouer un rôle dans la suite. Continuons d'avancer le film. La lumière avance, le Soleil et la Lune tournent. Paf ! On arrive à la situation étudiée au tout début, donc dans laquelle la lumière émise par le Soleil arrive sur la Terre. Celle qui a été émise au deuxième instant n'est pas encore arrivée sur la Terre. On continue le film. La lumière du début arrive sur le bord supérieur de la Lune, qui va la réfléchir dans l'autre sens. Cette lumière repart en arrière, atteint la Terre, et la lumière qui a été émise au deuxième instant qu'on a considéré là par le Soleil arrive aussi sur la Terre. À ce moment-là, l'observateur voit de la lumière qui lui parvient depuis la Lune, depuis la direction indiquée par la flèche de droite, et de la lumière qui vient du Soleil depuis la direction indiquée par la flèche de gauche. Donc pour lui, la Lune et le Soleil se trouvent dans le ciel à des directions opposées par celles indiquées par les flèches. Bon, bah on voit que la Lune et le Soleil ne sont pas diamétralement opposés par rapport à la Terre. Leur direction dans le ciel fait un angle. Et si, comme Descartes, on suppose que la lumière met une heure pour faire la distance Terre-Lune, chacune des étapes du petit film de tout à l'heure correspondait à un déplacement de 15 degrés du Soleil dans le ciel. Et on peut montrer très facilement dans ces conditions que l'angle entre le Soleil et la Lune, l'angle que font les positions apparentes de la Lune et du Soleil, est de 30 degrés dans cette situation. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe effectivement, et donc ce qui mène pour Descartes à une contradiction. Quand on analyse cette situation dans le détail, on s'aperçoit que, effectivement, si la lumière met un temps de propagation fini, on devrait voir les éclipses décalées en fait, dans l'espace. On ne devrait plus avoir un alignement entre la Lune, la Terre et le Soleil au moment des éclipses. Or, ce que fait Descartes, c'est qu'il prend même un cas, il fait une application numérique, il se dit, imaginons que, par exemple, la lumière met une heure pour aller de là à là. Ça fait 200 km par seconde. Le son, on va rappeler, c'est 300 mètres par seconde. Là, on a quelque chose qui est 1000 fois plus grand, 1000 fois la vitesse du son. C'est énorme. Il se met à cette limite-là, il peut accepter une heure pour faire le trajet, et il s'aperçoit que l'angle qui est ici vaut une trentaine de degrés dans le ciel, quelque chose comme ça. D'ailleurs, 30 degrés, c'est un angle qui est comme ça. Vous devez voir la Lune là et vous la voyez là, en fait. Et c'est pas du tout ce qui se passe quand il y a des éclipses. Donc, Descartes, vous voyez, ça marche pas. La lumière est forcément un temps de propagation infini, sinon on l'aurait vu depuis longtemps. Descartes montre aussi que son estimation à lui est bien meilleure que celle que Galilée. Effectivement, on est sensible à des vitesses plus élevées. Mais 1637, Descartes dit que la vitesse de la lumière est infinie à cause de cet effet. Et j'insiste sur le fait qu'il n'est pas plus que d'autres, mais les gens à cette époque-là n'imaginent pas des vitesses aussi grandes que la vraie valeur qu'on connaît aujourd'hui. Les choses commencent à changer sérieusement avec l'arrivée des observations de Rommel. Alors, la publication du résultat dont je vous parle ici date de 1676. Je commence ici l'histoire un petit peu avant pour que vous voyez d'où ça vient, pourquoi est-ce que Rommel a fait ce qu'il a fait. Donc en 1652, Cassini, qui était un astronome, établit des tables donnant le mouvement des satellites de Jupiter. Je vous rappelle que Galilée avait découvert les satellites de Jupiter en 1611. Donc quand on regarde Jupiter avec une lunette, on s'aperçoit qu'autour sont en train de tourner quatre satellites. Et on peut, au cours de la nuit, regarder où ils sont et faire des tables qui indiquent telle nuit il était là, telle nuit c'était là, et on voit qu'il y a un mouvement qui est à peu près périodique. Donc, c'est en train de tourner de manière assez régulière, c'est une petite horloge, quoi. Jupiter, c'est une petite horloge dans le ciel. Mis à part le phénomène astrophysique, astronomique qui est intéressant, Cassini s'intéressait à ça pour une autre raison, parce que si on arrive à prévoir le mouvement de ces satellites, de Jupiter, comme il est assez régulier, c'est quelque chose qu'on peut espérer faire avec une précision assez grande, on va pouvoir faire des tables prédictives de où vont se trouver les satellites de Jupiter à chaque heure du jour et de la nuit, etc. Et ça veut dire que quelqu'un qui est n'importe où sur la Terre et qui regarde le ciel, et qui regarde les satellites de Jupiter, peut savoir quelle heure il est. On va inverser le truc, c'est-à-dire qu'il regarde sur sa table, il regarde, tiens, les satellites sont dans cette configuration-là, je regarde sur la table, ça devrait se produire à telle heure. Donc il est en ce moment telle heure pour moi.
À l'époque, c'est super important, ça, parce que c'est ça qui permet de connaître la longitude sur Terre. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Si on arrive à savoir exactement quelle heure il est, on regarde le ciel, on regarde où sont les étoiles à cette heure-là, on arrive à savoir où on est sur la Terre. Donc l'enjeu ici, il est vraiment géographique, il est exploratoire de la Terre, quoi. Cassini, ça c'est vraiment pour donner un outil pour explorer plus facilement la Terre et savoir où on est, pour aider aussi la géographie, la géodésie, connaître la forme de la Terre et tout ça. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, 1652, ils commencent à établir des tables, donc avec d'autres, ils observent, ils notent consciencieusement où sont les satellites. Ils observent des irrégularités. C'est pas vraiment des horloges parfaites. Les quatre satellites, quand on trace leur trajectoire autour de Jupiter, on pourrait s'attendre à avoir un mouvement parfaitement régulier, qui en projection soit sinusoïdal. Hein. C'est pas le cas, en fait. On comprend aujourd'hui pourquoi, hein. C'est parce que les satellites interagissent entre eux, en fait, ils s'attirent mutuellement, et donc ça perturbe les orbites de chacun. S'il y avait juste dans l'univers Jupiter et puis un satellite, ben, ça suivrait une ellipse, hein, voilà, d'après Lotte Kepler. Là, comme il y en a plusieurs, ben, ça se perturbe et ça fait des irrégularités. Mais bon, c'était noté, on arrivait à faire des tables qui étaient quand même relativement précises. Au fil du temps, on s'aperçoit qu'il y a un des satellites pour lequel ça ne marche pas. Et il y a en fait, l'irrégularité pour ce satellite-là devient difficile à accepter. C'est pas juste comme les trois autres, tiens, bah, voilà, ça se tortille, c'est une hélice qui se tortille un petit peu. Là, en fait, on a un retard ou une avance assez systématique. Et plus précisément, on s'aperçoit que le temps de. Les événements qu'on prédit semblent arriver en retard. On les observe en retard quand la Terre est loin, et on les observe en avance quand la Terre est plus proche de Jupiter. C'est ça qu'on observe. Allez. Et alors, vous avez un petit dessin ici, là, il n'est pas très visible, je vais l'approcher. Et donc, ce qu'observent les gens, ce qui est facile à observer, en fait, c'est la chose suivante. Vous avez ici ce que représente ce dessin, donc vous avez ici le Soleil, vous avez la Terre autour du Soleil, vous avez Jupiter ici, sous une orbite plus éloignée. Ce que représente ici le trait qui est ici, c'est le cône d'ombre de Jupiter. Donc, Jupiter, le Soleil est là, Jupiter est là, donc tout ce qui est derrière ici est dans le cône d'ombre, et en particulier quand un satellite passe derrière Jupiter, on ne le voit plus. Ce n'est pas forcément qu'il est caché par la Terre. Hein. Imaginez que la Terre soit là. Vous voyez qu'on devrait voir depuis la Terre, on devrait pouvoir observer le satellite qui est ici, puisque Jupiter n'est pas devant. En fait, on se met à le voir disparaître, parce qu'il est en train de passer dans le cône d'ombre de Jupiter, et du coup, le satellite qui est ici n'est plus éclairé. Il ne reçoit plus la lumière du Soleil. Donc en fait, il s'éteint. Quelqu'un qui est à cet endroit-là de la Terre et qui observe le mouvement du satellite de Jupiter, il le voit, puis à un moment, dès que le satellite passe dans le cône d'ombre, paf, il ne le voit plus, il disparaît. Même s'il n'est pas géométriquement derrière Jupiter. Ça s'appelle une immersion. On voit les gens observent les immersions des satellites de Jupiter. Ils font des tables de ça, donc ça c'est un phénomène facile à observer, donc on fait des tables, ça va arriver à telle heure, c'est arrivé à telle heure, ça arrivera à telle heure dans le futur, etc. Et donc il se passe la chose suivante, quand on observe une immersion depuis ce point-là, ou qu'on en observe une autre depuis ce point-là, Jupiter ayant tourné, et ben on est ici plus loin de Jupiter que là. Et donc c'est pour cette raison-là qu'effectivement ça nous apparaît retardé. Il a fallu que la lumière de cet événement-là parcourt toute cette distance-là, alors que dans cette situation, elle avait juste à parcourir la distance entre les deux orbites-là. Donc le retard avec lequel on perçoit l'événement depuis ce point-là, mais il est donné par le temps que met la lumière pour parcourir le diamètre de l'orbite. Donc ça c'est ce que comprend Romer, en fait. Romer comprend vraiment ça. Ça, c'est Romer en train d'observer. On s'en fiche un peu. Voilà. Et je voudrais qu'on passe 2 minutes sur ça. Ça, c'est un texte d'un historien des sciences. Un texte dont je vous ai déjà tiré quelques extraits la dernière fois. C'était celui où il parlait de ce qu'il fallait dire ou pas en histoire des sciences. Les défauts qu'il trouvait dans des ouvrages d'histoire des sciences faits par des physiciens. Et là, il donne, dans cet article, il donne quelque chose qu'on trouve dans les livres sur l'expérience de Romer. Donc, je pensais que c'était intéressant qu'on parle vraiment de ça spécifiquement aussi. Et il donne, par exemple, ici, dans le cours de physique de Berkeley, qui est un cours super réputé. Hein. Aux États-Unis, vraiment tout le monde l'utilise. En France, il est traduit et il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent et qui l'apprécient. C'est un excellent livre de physique. Vraiment, c'est vraiment un très bon livre. Donc, dans ce bouquin, vous voyez que... vous voyez cette histoire qui est racontée. Donc, pendant des siècles, avant qu'on en ait une preuve expérimentale, on pensait que la vitesse de la lumière devait être fine. Ça, on va le voir, c'est pas vrai. En fait. On pensait pas du tout ça. C'est déjà la première phrase, elle n'est pas correcte.
Le premier indice expérimental du fait que c'était fini est venu avec Romer en 1876. Il a observé que le mouvement de Io, la lune la plus interne de Jupiter, ne suivait pas un timing vraiment complètement régulier. Il y avait une variation dans les périodes des éclipses de Io par Jupiter, ce que j'appelais les immersions tout à l'heure. Les variations accumulées des temps des éclipses sur une demi-année d'observation étaient de l'ordre de 20 minutes. C'est à peu près le temps de transit, le temps que met la lumière pour parcourir l'orbite de la Terre. Le diamètre D de l'orbite terrestre étant de 3 fois 10 13 cm, 2 unités astronomiques, le temps requis pour que la lumière traverse d'un côté à l'autre l'orbite est donné par, il fait un temps, voilà, ça fait bien 17 minutes, ce qui est en bon accord avec la valeur de 16 minutes qu'on trouve aujourd'hui. Bon. Ça continue. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le deuxième paragraphe. Romer a estimé à 22 minutes la valeur du transit, temps de transit dédié de ces éclipses. Il savait par ailleurs que le diamètre de la Terre était. Il connaissait le diamètre de la Terre par des sources pas très précises, mais bon. Et il a calculé à partir de ces données la valeur suivante, 214 300 km par seconde. La valeur aujourd'hui, c'est 300 000 ans. Il a calculé ça. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, à partir d'ici, c'est l'auteur de l'article qui parle, ce n'est plus un extrait du livre. Voilà. Ça donne une description effectivement précise de la méthode de Romer, mais en fait, c'est complètement faux du point de vue des détails historiques. Alors, on va revenir sur les deux choses qui sont fausses. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a le début ici, le fait que le contexte que donne l'auteur là, dans lequel Romer a travaillé est complètement faux. Les gens ne se pensaient pas spécialement que la lumière avait une vitesse finie à l'époque. Et l'autre chose qui est fausse, c'est ça, en fait. Romer, il n'a pas du tout calculé la vitesse de la lumière. Ce chiffre n'apparaît nulle part. Dans rien de ce que ça a écrit Romer, n'apparaît ce chiffre. Le truc intéressant dans cet article, comme ça je le mettrai sur le Moodle, c'est que l'auteur, il va voir dans les bouquins, dans plein de bouquins de physique, français, américain, hein, il va chercher les valeurs qui ont été attribuées à Romer dans les livres de physique. Tel livre dit bah, Romer a trouvé 214 300, dans un autre bouquin, Romer a trouvé 2500. Donc déjà, vous avez des valeurs, un éventail de valeurs très très différent cité par les livres de physique, sachant que Romer n'en a pas donné une seule. D'accord ? Il liste tout ça, et donc les gens vont en fait inventer. Ce que font les gens, c'est, les gens qui écrivent les bouquins, c'est qu'ils font vraiment ce qu'ont fait ces gars-là. Ils ont pris une distance. Ils ont pris le temps donné par Romer, 22 minutes, 22 minutes pour parcourir la distance, pour parcourir deux fois la distance Terre-Soleil, et bien ça fait cette vitesse-là. Seulement, Romer ne l'a pas fait, et il n'avait aucune raison de le faire, ça ne l'intéressait absolument pas. La vitesse, la valeur de la vitesse elle-même ne l'intéressait pas. Ce qui intéresse Romer, c'est de montrer que la vitesse de la lumière est finie. Ça déjà, c'est énorme, les gens n'en savaient absolument rien à l'époque, c'est ça le truc nouveau. Qu'elle vaille 200 000, 300 000, 500 000 km par seconde, c'est du détail, ça change. Et personne à l'époque n'a besoin de cette valeur numérique. Donc il ne le calcule pas. Et c'est vraiment étonnant de voir combien est-ce que dans les bouquins peuvent aller inventer cette valeur et dire que Romer l'a écrit. Donc je vous invite vraiment à aller lire, jeter un œil à cet article qui est vraiment passionnant de bout en bout. Deuxième étape. Ce voyage, Bradley et l'aberration stellaire. Donc, je vous ai parlé un petit peu la dernière fois de l'aberration stellaire. Je vais vous en redire un mot maintenant. Ce que faisait Bradley, c'est qu'il essayait de mesurer la parallaxe des étoiles. Quand on regarde le ciel étoilé depuis la Terre, les étoiles ne sont pas toutes à la même distance que nous. Il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin. Et quand on est sur la Terre qui est en train de tourner autour du Soleil, on a un point de vue sur ces différentes étoiles qui est en train de bouger. Et on observe comme ça, quand la Terre est en train de bouger, on voit les étoiles qui ne sont pas à la même distance bouger les unes par rapport aux autres. Expérience de parallaxe hyper simple, vous prenez un objet quelconque, hop, votre doigt, le bout de votre doigt, voilà, je toque, et vous faites des ronds avec votre tête comme ça. Et bien vous allez voir que votre doigt semble faire des ronds par rapport à ce qui se trouve derrière. J'ai l'air bête, mais voilà, c'est une expérience super intéressante. Okay. Là, moi, je vois mon doigt faire des ronds. Et je vois mon doigt faire des ronds comment ? Quand je suis en haut, je vois mon doigt plutôt vers le bas. Puis quand je suis en bas, je vois que mon doigt a l'air d'être plutôt monté par rapport au fond.
Donc je vois les objets les plus proches en train de décrire sur, ici sur le ciel ou sur le fond, un mouvement qui reproduit mon propre mouvement, mais à l'envers. Quand moi je suis en bas, le truc est en haut, etc. La parallaxe, c'est ça. Donc on observe ça aussi, enfin, on voulait observer ça avec les étoiles, en disant s'il y a des étoiles plus proches que nous, par exemple les étoiles les plus brillantes, elles sont probablement plus proches, regardons les étoiles les plus brillantes et essayons de voir si elles ne font pas des petits ronds, comme ça, par rapport dans le ciel, au cours de l'année. Hein. On repère leur position précisément. Voilà. Donc Bradley a essayé de faire ça. Alors Bradley n'y est pas arrivé, ça va mettre vraiment très longtemps dans l'histoire pour observer ce truc-là, bien après 1725. Hein. Mais par contre, il observe autre chose. Il observe quand même que les étoiles font des ronds. Mais elles ne font pas des ronds dans le bon, qu'ont la bonne forme ou le bon mouvement. Je vous ai dit qu'avec une parallaxe, quand on était en bas, le truc était en haut. Donc ça veut dire que ça, si je le retranscris, avec le mouvement de la Terre, vous avez la Terre qui est en train de tourner sur son orbite. Quand vous voyez une étoile qui est ici, par exemple au zénith, vous allez la voir faire des ronds, tel que quand la Terre est à ce bout-là de son orbite, elle va être comme ça. Quand la Terre est ici, l'étoile va être par là-bas. Quand la Terre tourne comme ça, l'étoile fait ça. Et donc vous avez comme ça une étoile qui se trouve, qui fait des ronds qui sont opposés au mouvement de la Terre. La Terre tourne comme ça, et l'étoile, elle tourne comme ça. Elle est toujours à l'opposé du mouvement de la Terre. Ça, c'est la parallaxe. Ce qu'observe Bradley, c'est un mouvement qui suit pas ça. Et il explique avec l'effet suivant. Donc c'est ce qui va s'appeler l'aberration stellaire. Enfin, je vais avoir besoin d'un petit peu de matériel pour l'expliquer. Imaginez que vous ayez une étoile qui soit dans le ciel et qui envoie de la lumière qui vient vers vous, par exemple une étoile qui est vraiment au zénith. La Terre, elle va tourner comme ça, et on a une étoile qui est, quand je dis au zénith, c'est un mot qui n'est pas très approprié, vous avez le plan de l'orbite terrestre qui est comme ça, et une étoile qui est vraiment dans une direction perpendiculaire au plan qui est là. L'étoile du Nord, hein, par exemple, c'est pas mal, c'est à peu près ça. Le Nord géographique de la Terre est un peu différent de ça, mais en gros, l'étoile du Nord. Quand on observe cette étoile-là, depuis la Terre en mouvement, on observe la lumière qui nous vient de cette étoile. On est en train de bouger avec la Terre. Le télescope qui est sur la Terre, du coup, arrive sur la lumière. Ça, c'est la lumière qui a été émise par l'étoile. Arrive sur cette lumière-là et va essayer de la détecter et de la capter dans un télescope. Je vous ai fait un petit schéma l'autre fois. Vous vous rappelez que si la lumière a une vitesse finie, la lumière est un instant là, un instant là, un instant là, un instant là. Vous, quand vous essayez de la choper comme ça, dans votre référentiel à vous, vous allez voir que la lumière, elle vient vers vous, en fait. C'est exactement ce qui se passe, l'image qu'on donne de ça, et c'est vraiment très simple, c'est il pleut, il se trouve qu'effectivement il pleut. Vous êtes avec votre parapluie, si vous voulez vous protéger de la pluie à l'arrêt, vous êtes comme ça avec le parapluie au-dessus de vous. Si vous avancez par rapport à la pluie, avec votre parapluie tenu comme ça, vous vous mouillez. D'accord ? Parce que du coup, avec votre mouvement à vous, vous allez choper les gouttes qui étaient en avant ici de vous. Donc pour effectivement vous protéger de la pluie en marchant, il faut mettre son parapluie un peu penché pour justement être dans le nombre de la pluie. Hein, c'est ça dont il s'agit. Ça, c'est dû au fait que vous avez une vitesse et la pluie a aussi une vitesse. Si vous adaptez ça avec la vitesse de lumière, c'est vraiment pareil. Là, ce n'est pas un parapluie, mais c'est un télescope qu'il faut pencher. Pour voir un objet, quand vous êtes en train d'avancer par là et vous voulez voir un objet qui se trouve au zénith, et ben, il faut pencher le télescope dans la direction dans laquelle vous avancez. Ça veut dire que si vous êtes sur la Terre qui est en train de faire un cercle comme ça, bah, la position apparente de l'étoile va elle aussi bouger. Quand vous êtes sur ce point-là de l'orbite, l'étoile va être plus par là-bas, puis vous avancez comme ça, l'étoile est plus par là-bas. Et ça, du coup, l'étoile décrit une ellipse dans le ciel qui n'a pas la même phase que celle qu'on attend pour la parallaxe. C'est ça que voit Bradley, en fait. Et c'est un effet qui est vraiment important. L'angle, la taille des ellipses, ça fait 20 secondes d'arc dans le ciel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la seconde d'arc, c'est quand même des grandeurs qui sont petites en astronomie. Une minute d'arc, c'est un 1/60 de degré. Une minute d'arc, c'est la taille de Jupiter dans le ciel. Quand vous regardez le ciel et que vous voyez Jupiter, on vous distingue à peine que ce n'est pas vraiment une étoile, mais que c'est un truc étendu. Ça, c'est une minute d'arc. Et ben, l'aberration stellaire, là, c'est un décalage de 1/3 de cette distance-là. C'est petit, hein. Donc, télescope, ça se voit avec des observations minutieuses, ça se voit, et à l'époque, là, 1725, effectivement, ça se voyait, et voilà. Les étoiles décrivent un cercle de 20 secondes d'arc de côté. Et le truc intéressant, c'est que ce 20 secondes d'arc, en fait, il vous permet de trouver la vitesse de la lumière, parce que quand on s'intéresse au calcul de ça, cet angle-là, c'est simplement donné par le rapport entre la vitesse de la Terre sur la vitesse de la lumière.
La vitesse de la Terre, à cette époque-là, on la connaît très bien. On connaît les lois de Kepler, on connaît le rayon de l'orbite de la Terre, donc on peut savoir à quelle vitesse ça se déplace sans problème. Et donc, à partir de la mesure de l'angle, on peut en déduire la vitesse de la lumière. Et ça, ça donne aussi, donc le rapport V sur C, on vous donne directement un angle en radians. Et ça, ça vous donne, ça vous permet d'accéder à la vitesse de la lumière. Et ça donne quelque chose qui est effectivement de l'ordre de 300 000 km par seconde. Donc avec Bradley, on a confirmation qu'effectivement la lumière est quelque chose qui se déplace avec une vitesse de l'ordre de 200-300 000 km par seconde. Alors on va voir, il y a des choses un petit peu curieuses avec l'aberration, mais j'y reviendrai après. Alors, Fizeau et la roue dentée. Là on fait un saut en avant d'un siècle. Il ne se passe pas forcément grand-chose avant du point de vue de la vitesse de la lumière. Et là, d'un coup, les choses vont vraiment s'accélérer. 1849, il va se passer un truc. Un an plus tard aussi. Et là, c'est vraiment là où on commence à parler sérieusement de vitesse de la lumière, en particulier sur Terre. Là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des mesures de la lumière dans l'espace, en astronomie. Fizeau, le premier, va faire une expérience terrestre. Fizeau s'intéresse au problème de la vitesse de la lumière et dépose un petit cachet à la combinaison en janvier 1849. Ça marchait comme ça à l'époque. Pour s'assurer de la primauté d'une idée, mais sans la dévoiler. Donc vous avez vu que Galilée faisait des anagrammes. Bon, voilà, on avait un peu évolué. Les gens écrivaient dans une lettre leur idée, la mettaient dans une enveloppe, ils cachetaient, ils la donnaient à l'Académie des sciences, personne ne l'ouvrait, surtout personne ne l'ouvrait. Et ça restait fermé. Si jamais quelqu'un arrivait et disait « Ouais, tiens, moi j'ai une super idée et tout », Fizeau pouvait dire « Ah, moi j'ai eu la même idée, on va ouvrir mon enveloppe, et vous verrez, dedans c'est décrit, ah oui, effectivement, l'antériorité est établie. » Voilà, c'était... Les gens qui font de la musique, des fois, ils s'envoient par accusé de réception des CD gravés de leurs propres œuvres pour avoir un truc disant « Voilà, je me suis envoyé par la poste à telle date », c'est un petit peu ça. Donc, janvier 1849, il me propose l'idée que je vais vous montrer maintenant. Et en 6 mois, il fait l'expérience et il publie les résultats hyper rapide. Vous allez voir le truc, c'est quand même assez fou. Et il trouve avec ça une vitesse sur Terre. Donc la vitesse de la lumière sur Terre est de 315 000 km par seconde. Alors l'expérience, c'est un truc de fou. Alors voilà à quoi ça ressemble. Là, on ne comprend pas forcément grand-chose, mais je vais vous expliquer par petits bouts. Vous avez ici une roue dentée. Là, on distingue un petit peu les dents. Il y a 720 dents sur une roue de 15 cm de diamètre. Donc une roue comme ça, avec 720 dents dessus. Donc ça donne quelque chose comme ça. Cette roue, elle est reliée à tout un mécanisme d'horlogerie. On la voit ici, la roue, là, c'est celle-là. Ça, c'est la roue dentée. Vous avez ici un télescope, un autre télescope. Un des télescopes sert à envoyer de la lumière à travers la roue dentée. L'autre est mis 8 km plus loin, 8633 mètres plus loin, et sert à renvoyer la lumière. En fait, il y a un miroir. C'est un télescope ici avec un miroir, c'est celui-là. Il n'y a rien pour regarder, il y a juste un miroir qui est mis ici. Et le principe de l'expérience, c'est le suivant. Avec une source, ça on le voit mieux sur le suivant. Vous avez une source de lumière ici, qui envoie de la lumière là. À cet endroit-là, vous avez un système, une petite lame de verre qui renvoie la lumière par là-bas. On voit la lumière dans le télescope. Et vous avez ici la roue dentée qui traverse le télescope, c'est fait exprès. Et donc vous avez les roues dentées qui sont en train de tourner, et les roues dentées cachent périodiquement la lumière. Donc ce que fait la roue dentée qui est ici, c'est qu'elle envoie un signal qui est fait de lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité. D'accord ? Ça envoie comme ça des impulsions de lumière. Ces impulsions sont envoyées par le télescope qui est ici, vont atteindre le deuxième télescope qui est situé à 8 km. C'est loin, 8 km. Hein. C'est réfléchi sur le miroir qui est au fond du télescope là-bas, ça revient là, ça repasse par le même télescope, puis ça arrive de nouveau sur la roue dentée. Donc là, il peut y avoir une dent ou bien un trou, donc ça passe ou ça passe pas. Et vous avez ici un œilleton qui permet de regarder ce qui se passe, donc vous voyez de la lumière, vous la voyez. Et on peut montrer, donc c'est le principe de l'expérience est basé sur le principe suivant. Si la roue est en train de tourner à une vitesse convenablement choisie, on peut se trouver dans la situation suivante. On peut se trouver dans la situation où ça va être une dent, ça va être un trou, et ça va être une dent de la roue dentée. Donc la roue dentée va passer. La lumière ici émise par la source passe par le trou. Donc la lumière passe, d'accord. Elle va sur le télescope. En ce temps-là, la roue est en train de tourner.
tourne, ça tourne doucement, hein, je fais ça vraiment au ralenti. La lumière va sur l'autre télescope, pof, rebondit, revient, et quand elle revient, tac, elle arrive sur une dent. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous ne voyez pas la lumière qui a été émise ici. Vous dites, ah ouais, mais la lumière, je vais la voir quand la dent va être passée. Non, parce que quand vous êtes dans la situation où la lumière arriverait par le trou, c'est une situation où à l'aller, il y avait une dent. Donc ou bien la lumière est bloquée à l'aller, ou bien la lumière est bloquée au retour. Mais en tout cas, vous ne la voyez jamais. Si la roue dentée tourne à une vitesse telle que le temps que la lumière fasse l'aller-retour entre le télescope d'entrée, le miroir, puis le télescope ici, si pendant ce temps-là, un trou est remplacé par une dent, eh ben, vous ne voyez rien derrière. Ça arrive aussi d'ailleurs si le trou qui est ici a laissé passer une dent, puis un trou, puis de nouveau une dent. Donc en fait, à une vitesse de rotation donnée ou une vitesse triple, vous allez de nouveau voir le même phénomène. Ça, c'est ça qu'avait en tête Fizeau et qu'il a réalisé. Donc la roue dentée ici doit tourner à une vitesse suffisante pour que ça se passe. La vitesse qu'il a choisie, pour différentes raisons, parce qu'il a fait des calculs, il avait une idée de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière, hein, donc il savait à quoi s'attendre, ça fait 400 tours par seconde. 400 tours par seconde, c'est énorme. C'est énorme. Un moteur de voiture, vous savez à combien ça tourne? En régime normal, 2000 tours minute, un truc comme ça. Bon, ça fait d'ordre 30-40 tours par seconde. Voilà. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est 10 fois plus important, qui va 10 fois plus vite qu'un moteur. Donc on fait tourner une roue dentée de 15 cm avec 400 tours par seconde. Ça a été fait par... donc il était en contact avec un mécanicien de l'époque qui était très très réputé, quelqu'un qui faisait de l'horlogerie d'ailleurs. Et donc, il a fait un système d'engrenage. Le système était le suivant, vous avez ici un moyeu sur lequel vous avez une corde qui est tendue, et puis vous avez un poids ici, le poids va mettre en rotation la roue. Cette roue-là est reliée via cet engrenage-là à un pignon interne qui met en rotation un deuxième engrenage intermédiaire. Vous voyez que si ça tourne à une certaine vitesse, ça fait tourner ce pignon-là. Vous voyez que celui-là va tourner beaucoup plus vite. Hein. De nouveau, celui-là il est mis en contact avec le pignon interne, etc. Et c'est démultiplié comme ça un certain nombre de fois. Et on arrive comme ça à des vitesses qui sont importantes. Alors son expérience a marché, effectivement. Ça, je vais passer, donc ça, vous aurez les documents. Ça, c'est ce que j'avais mis ici, c'était vraiment la manière dont lui racontait ça. Mais ça va vous raconter essentiellement ce que je vous ai dit. Ce que je vous invite aussi à aller voir, c'est ça. Donc ça, c'est un article d'un historien des sciences qui a analysé l'expérience de Fizeau. Et c'est aussi pour vous donner une idée des méthodes utilisées par les historiens des sciences. Lui, il l'a fait en la refaisant. Le matériel de Fizeau, il existe, hein, il est encore disponible, voilà, il est dans des musées, mais on peut le prendre, on peut l'utiliser. Et donc, ce gars a pris le matériel de Fizeau et s'est dit, je vais refaire l'expérience. Et donc, dans cet article ici, il nous donne quelques clés sur ce qu'il a trouvé grâce à ses travaux. Et voilà, donc ça, c'est le résumé. Ce qu'on va lire à partir d'ici, en fait, là. Donc ce qu'il va faire dans l'article, c'est que montrer que Fizeau a employé deux méthodes différentes pour implémenter ses idées expérimentales, ce qui a donné naissance à un appareil qui permettait des déterminations précises. Voilà. Il faut pour ça que les méthodes de mesure résolvent certaines difficultés qui vont survenir. Et au cours de la réplication d'expérience, et c'est ça le point intéressant dans l'article, il a compris en fait des choses. Il a compris pourquoi il avait fait ça comme ça. Par exemple, pourquoi il utilisait deux télescopes et pas juste un miroir bête. C'est bizarre. On se dit, bon, on envoie de la lumière, on met un miroir et puis on voit la lumière qui revient. C'est pas ça qu'il a fait Fizeau. Il a mis un autre télescope là-bas. Il a modifié un télescope en mettant au foyer du deuxième télescope un miroir. Pourquoi il a fait ça, voilà. Et il explique là-dedans, grâce en particulier à l'approche de réplication qu'il a eu, les problèmes qui probablement se sont posés à Fizeau. Alors cette expérience, elle a été reprise par d'autres après. Ah non, je ne l'ai pas mis. Okay. Alors,
vais vous le dire juste de voix, mais donc, l'expérience de Fizeau, lui, il n'a pas essayé spécialement de la faire très précise non plus. Lui, il voulait vous montrer que le principe marche. Et en fait, quand on fait l'expérience, et ça, c'est lui qui le montre et qui le voit, quoi, c'est juste super dur. Et en gros, vous prenez 2 mois pour vous dire, tiens, je vais faire les observations, et vous avez en tout 5 jours dans les 2 mois qui vous permettent d'avoir des mesures. Pourquoi ? Parce que ça, il faut le faire de nuit, ces expériences-là. Parce qu'on envoie de la lumière à 8 km de distance, ça se réfléchit, ça revient, c'est des lumières qui sont très faibles. Donc on a envie de faire ça la nuit quand il n'y a pas de la lumière du jour. Donc déjà, il faut que ça soit la nuit. Il faut que la nuit soit claire. Il ne faut pas qu'il pleuve et tout ça, sinon on ne voit simplement rien. Il ne faut pas qu'il fasse beau, non plus en fait. Parce que s'il fait beau, en général, l'air, il est pas très transparent. C'est pas qu'il est pas transparent. Vous avez des objets qui scintillent, vous avez des différences de densité dans l'air. S'il fait beau la journée, ça chauffe le sol. Du coup, la nuit, quand le sol redonne sa chaleur, ça met en mouvement l'air au-dessus et ça fait scintiller les objets. Et la plupart des observations qui n'ont pas marché pour Fizeau, c'est parce qu'effectivement, il faisait trop beau. Et quand il regardait dans son appareil, il regardait le reflet de sa source qui avait fait l'aller-retour, au lieu de voir un point lumineux, il voyait un truc qui scintillait, et c'était impossible de savoir si c'était là ou pas, quoi. C'était juste n'importe quoi. Donc les conditions atmosphériques aussi sont vraiment draconiennes, et Fizeau, au bout d'un moment, ça l'a gavé, quoi. Enfin, voilà, il l'a fait, il est resté 2 mois, un truc comme ça, à faire cette expérience-là. Après, il est passé à autre chose, on verra qu'il a intervenu. Par contre, il y a un autre savant qui est Cornu, qui a repris tout ça et qui a fait des expériences précises et qui a amélioré la connaissance de la thèse de lumière grâce à des expériences de ce type. 1850, l'année d'après, 2 personnes, Foucault et de nouveau Fizeau, font aussi des expériences avec ce qui porte sur la thèse de la lumière. Et cette fois-ci, l'objectif et les méthodes sont différentes. Là aussi, ça part un petit peu en avant dans l'histoire. Il faut commencer ça en 1834. Un physicien anglais, Whetstone, que vous connaissez peut-être si vous faites de l'électricité. Vous connaissez le pont de Whetstone, peut-être ? Vous n'avez jamais vu ça ? Bon, c'est un dispositif pour mesurer des résistances. Pour ça. Et donc, il présente en Angleterre une expérience à base de miroir tournant pour mesurer la vitesse de l'électricité. Bon, je vais vous montrer le dispositif, quelque chose qui s'en rapproche après, mais essentiellement, on a un très grand fil sur lequel on envoie tout d'un coup un courant, il se produit une étincelle au début du fil, puis une étincelle à la fin du fil, on s'arrange pour que le début et la fin du fil soient au même endroit, et on fait faire ça au fil, puis il reviendra. Donc on s'attend à ce que les 2 étincelles, si l'électricité met un certain temps à se propager dans le fil, ne mettent pas le même temps, n'arrivent pas au même temps, et donc quand vous avez le courant, ça fait ch'toc, ch'toc. C'est ça qu'on veut voir. Sauf que ça va être super rapide, à l'œil on ne va pas le voir, et les miroirs tournants, donc je vais vous montrer après le dispositif, ça permet de vraiment de voir ça. Alors il n'a pas réussi, Whetstone, à faire ça, mais son dispositif a été vu par François Arago, qui effectivement avait vu ça, il était en Angleterre à ce moment-là, il l'a vu et en revenant en France, il commence à l'adapter en 1943 pour cette fois-ci comparer la vitesse de la lumière dans l'air et celle dans l'eau. Donc on va voir, il ne veut pas mesurer la vitesse de la lumière, mais il veut voir si elle est plus rapide dans l'air que dans l'eau. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est super important, ça va faire la différence entre les théories de genre Newton, corpusculaire, et les théories de genre ondulatoire, genre Huygens. Donc c'est ça que veut faire Arago. Donc le principe est le suivant. Le bouquin qui est ici, ça c'est aussi un bouquin qui est vraiment, vraiment super, qui se lit très bien documenté, qui est par James Lucke, quelqu'un qui est connu en astronomie aujourd'hui. Voilà, le dispositif c'est celui-là. Donc ça c'était celui auquel avait pensé Arago. Donc on fait une étincelle ici, on envoie la lumière. Bah, l'étincelle, du coup, elle peut être vue à travers un tube rempli d'eau ou bien à travers l'air, comme ça. Si la vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'eau que dans l'air, bah, les 2 éclairs ici ne vont pas arriver en même temps sur le miroir qui est ici. D'accord ? Imaginons, par exemple, que la lumière aille moins vite dans l'eau. Bah, la lumière qui vient du haut ici va arriver plus tôt que celle-là. Et toute l'astuce du truc, c'est qu'on prend un miroir qui tourne très vite sur lui-même. Et donc, si le miroir est en train de tourner, il n'aura pas la même orientation quand l'étincelle arrive par A, ch'touk, que quand elle arrive par B, ch'touk. Donc ici en A, la lumière va aller dans une direction. Après un certain temps de retard, la lumière venue de B va arriver sur un miroir qui aura tourné et qui donc va renvoyer la lumière dans une autre direction. Et donc quand on regarde la lumière ici sur un écran, on va voir l'étincelle qui est passée par A et à côté, l'étincelle qui est passée par B. Ça, c'était ce que voulait faire Weston. Ça n'a pas marché pour Whetstone parce que l'étincelle, en fait,
Donc lui, c'était pas, il ne voulait pas spécialement voir avec un tube rempli d'eau, mais c'était quelque chose de similaire. Et il était embêté par le fait qu'ici, l'étincelle durait trop longtemps et on n'avait pas juste un trait, mais on avait quelque chose qui était un peu étalé. Je ne veux pas passer du temps dessus. Arago pense à ça, commence à faire construire un miroir tournant par quelqu'un qui s'appelle Breguet, qui est un mécanicien de l'époque. Il commence à faire tout ça et en fait, il tombe malade. Il a le diabète, sa vue baisse et il ne sent pas la santé de faire ça. Donc, il donne l'autorisation, on va dire, à deux personnes de continuer, à Foucault, qui est un savant de l'époque, et à Fizeau, dont on vient de parler, qui vont effectivement faire l'expérience, et qui montrent que la lumière, effectivement, se propage moins vite dans l'eau que dans l'air, avec cette expérience-là. On ne sait pas la valeur de la vitesse, mais ça montre qu'effectivement, ça va moins vite dans l'eau que dans l'air. Ce qui est énorme, déjà. Ça veut dire, ok, toutes les théories à base corpusculaire, là, qui dit que corpuscules de lumière sont accélérés quand ils vont dans l'eau, bah non, ils ne sont pas corrects. La lumière va moins vite dans l'eau. Alors après, ça s'est repris. Donc Fizeau, il fait quelque chose, il fait une expérience qui est un petit peu reliée à tout ça, mais dont le but est encore différent. Lui, Fizeau, il veut vraiment mesurer la vitesse dans l'eau, pas seulement savoir si elle va moins vite ou plus vite que dans l'air, d'ailleurs dans cette expérience-là, c'est pas ça qui intervient, mais il veut connaître la valeur de sa vitesse. Et pour ça, il utilise le dispositif suivant. C'est basé sur les interférences. Vous avez tous vu les interférences à un moment donné ou à un autre. Okay. Et donc ce qu'il fait, alors je vous le fais court, mais il y a de la lumière qui vient ici d'une source, qui passe par ici. Vous avez là de l'eau qui est en train de parcourir un tube en U. L'eau, elle fait ça. Elle arrive ici, hop, hop, elle repart là-bas. La lumière passe ici dans de l'eau et va dans la même direction que... La lumière va dans la même direction que l'eau. Et la lumière ici est réfléchie là, repart par là-bas, et là va de nouveau dans la même direction que l'eau. Donc la lumière qui a fait ça, et qui est passée par là, c'est de la lumière qui s'est propagée en suivant le courant, si vous voulez. Elle s'est propagée dans le même sens que la propagation de l'eau. Vous avez aussi de la lumière qui fait autre chose, qui passe au-dessus, donc qui va à contre-courant, en fait, qui va se réfléchir là, revenir là, et ici aussi être à contre-courant. Donc vous avez... dans ce dispositif, deux faisceaux lumineux, un qui est allé selon le courant, l'autre qui est allé à contre-courant. Si la vitesse de la lumière est affectée par le mouvement de l'eau, c'est ça que se pose en fait comme question Fizeau, si le mouvement de la lumière est affecté par le mouvement de l'eau, ben on peut s'attendre à ce que les deux faisceaux lumineux, celui à contre-courant et celui qui va avec le courant, aient une différence de phase entre eux, ils vont pas à la même vitesse simplement. Qui dit différence de phase dit possibilité de faire des interférences, et ce que fait Fizeau, c'est qu'il va faire interférer ces deux rayons, et il va essayer effectivement d'observer des interférences ici. Et alors il y arrive en fait, effectivement, il montre qu'il y a un effet, et la raison pour laquelle c'était important à l'époque de faire ça, c'est que on avait l'idée, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, que la lumière se propageait dans un milieu qui était l'éther, comme ça j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc, la lumière n'était pas des corpuscules, mais c'était plutôt une onde qui se déplaçait enfin, correspondait à une mise en mouvement de l'éther. Et on avait des raisons de penser que cet éther était partiellement entraîné par les corps en mouvement. Si vous prenez un corps transparent et que vous le déplacez comme ça, il emmène avec lui de l'éther, mais il ne l'emmène pas complètement. C'est un peu tordu. Il emmène simplement, il entraîne un petit peu l'éther avec lui, et la vitesse avec laquelle l'éther est entraîné est donnée par cette formule-là, où là c'est la vitesse du fluide, ou du corps transparent, fois 1 sur 1 moins n carré, où n c'est l'indice. Et avec cette expression-là, en fait ça résolvait un certain nombre de problèmes théoriques qu'avaient les gens avec l'existence de l'éther, donc je ne vais pas rentrer ici dans ce détail-là, mais ce que montre l'expérience de Fizeau ici, c'est qu'effectivement, si on fait cette hypothèse-là, ça explique tout à fait les résultats expérimentaux, les types d'interférences qui a été observé par Fizeau. Donc, dit de manière courte, l'expérience de Fizeau confirme l'entraînement partiel de l'éther et la formule qui est ici. Donc, vous voyez qu'à cette époque-là, donc, on voit qu'effectivement, la lumière va moins vite dans l'eau que dans l'air, donc ça tend à favoriser les théories ondulatoires, donc l'ondulation d'un milieu, et en plus on commence à avoir des propriétés quantitatives sur ce milieu-là. Donc ça se confirme, et ça se précise. La vision qu'on a de cet éther commence à se préciser.
Quelques années plus tard, Foucault, toujours lui, reprend son expérience des miroirs tournants, mais cette fois-ci, ce qu'il veut, c'est vraiment mesurer la vitesse de la lumière. Ce n'était pas le cas avant. Hein. Avant, il voulait juste voir si c'était plus rapide dans l'eau que dans l'air. Là, maintenant, il voulait vraiment la mesurer, mesurer sa valeur, et pour ça, il est encouragé par Le Verrier. Le Verrier, c'était un grand astronome de l'époque, il était devenu directeur de l'Observatoire de Paris, et il avait, Le Verrier, il avait... il émettait l'hypothèse, il avait des raisons de penser que, à l'époque, le rayon de l'orbite terrestre était surestimé. Les gens pensaient que c'était 154 000 millions de kilomètres, lui il pensait que c'était 148 millions, voilà, il pensait que c'était bon, il avait des raisons de faire ça. Et un des moyens de le vérifier, c'était de connaître précisément la vitesse de la lumière, puisque si on connaît précisément la vitesse de la lumière et qu'on observe par exemple le retard des émersions de Jupiter, et ben on peut comme ça arriver à remonter à la taille de l'orbite terrestre. Donc, certains l'avaient fait dans l'autre sens, certains en connaissant la taille de l'orbite terrestre et puis le retard des émersions avaient déterminé la vitesse de la lumière. Ben, lui, c'est pas ça qu'il veut faire, le Verrier, il veut vraiment faire l'inverse et vérifier son hypothèse est correcte. Donc il confie à Foucault le soin de mesurer la vitesse de la lumière. Foucault le fait et trouve effectivement une vitesse qui a une vitesse de manière précise et qui donne raison à Le Verrier. En utilisant la vitesse de la lumière trouvée par Foucault, Le Verrier obtient une valeur de l'orbite terrestre, qui est du rayon de l'orbite terrestre, qui effectivement conforme à ce qu'il pensait. Et alors, voilà, donc, les détails, ça ressemble à ça. Donc, j'ai ici un miroir tournant qui est mis en mouvement par un truc qui souffle ici, c'est de l'air comprimé. Donc 24 tours minute comme tout à l'heure. Et le truc intéressant, c'est qu'il a mis ensemble plusieurs compétences. Bon, Gustave Froment, c'était un génie de la mécanique de l'époque. Donc, c'est lui qui a réalisé ça. Et la soufflerie, c'était quelqu'un qui faisait des orgues. Donc, il fallait une soufflerie qui soit stable. Voilà. Il y a des gens qui savaient faire ça, c'était les facteurs d'orgue. Et donc il a fait appel à ce gars-là pour construire l'appareil qui est ici. Ça, c'est ces dispositifs-là, si vous allez à Paris et que vous avez l'occasion de visiter le musée des arts et métiers, à Paris, il y a tout ça, c'est exposé. Et notamment, il y en a plusieurs qui sont exposés en situation, avec vraiment toute la manip sur une table. C'est vraiment passionnant à voir. Alors, on arrive presque à la fin de l'histoire que je veux raconter, en tout cas aujourd'hui. 1857, là, on commence à s'apercevoir que cette histoire de vitesse de la lumière... elle n'est pas indépendante de l'électromagnétisme. Et en particulier, Weber et Coulthard, ici, en 1857, réalisent que quand on fait le rapport de deux grandeurs qui interviennent en électrostatique et en magnétostatique, en gros, quand on prend une combinaison de epsilon 0 et de mu 0 qui va bien, on les met ensemble, et qu'on fait une quantité qui a la dimension d'une vitesse, on s'aperçoit que cette vitesse, elle est numériquement assez proche de la vitesse de la lumière qu'on connaissait à l'époque. Donc c'est curieux, mais voilà, ils le remarquent, ils essayent de faire des mesures plus précises de ce rapport, et ils trouvent qu'effectivement, on arrive à former une quantité qui a dimensionnellement, qui est une vitesse, et qui numériquement donne la vitesse de la lumière, uniquement à partir de considérations électrostatiques et magnétostatiques. Alors ça va être affiné, et puis rendu plus précis par Maxwell. Maxwell, en 1873, publie les équations qui portent son nom. On comprend vraiment là bien comment est-ce que l'électromagnétisme, en fait, résume, en gros, comprend l'électrostatique et la magnétostatique. Et les équations de Maxwell vous sortent effectivement la vitesse de la lumière en fonction de epsilon 0 et mu 0. Donc là, ça prend un tour nouveau. L'histoire de la vitesse de la lumière, ça devient relié à l'électromagnétisme. Et dernière étape dans ce voyage, l'expérience de Michelson-Morley, à la même époque, 1880, c'est aussi l'époque où on commence à avoir des méthodes interférométriques extrêmement précises pour mesurer les variations de distance ou, ici éventuellement, des variations de vitesse de la lumière. Et l'idée de Michelson, qui va ensuite mettre en œuvre avec Morley, il a commencé par faire les expériences tout seul, puis après il en fait à deux, c'est la suivante. Imaginez qu'on ait un interféromètre Michelson, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, essentiellement on envoie la lumière dans une direction, l'autre dans une autre, ça fait à peu près le même trajet lumineux, puis quand ça revient, ça se recombine. S'il y a une petite différence de trajet, ben, ça fait une différence de phase, et ça fait des interférences qui peuvent être constructives ou destructives. Voilà.
donc Michelson qui a créé cet interféromètre, l'a utilisé dans un autre but. Il l'a monté sur une grosse plaque de marbre ici. Alors là, c'est un dessin, mais le gros bloc, c'est du marbre. Le tout dans un bain de mercure, parce que comme ça flottait sur le mercure, ce truc. Hein. Comme le mercure est très dense, tout flotte sur le mercure. Donc voilà, vous avez un truc sur le mercure, et du coup, vous pouvez le faire tourner sur lui-même. Vous pouvez faire tourner tout le gros bloc de marbre sur lui-même, et orienter de manière différente, changer l'orientation de cet interféromètre de Michelson. Le point de départ, l'hypothèse de départ, c'est que la lumière est une onde qui se propage dans un milieu qu'on appelle l'éther. Et l'idée de Michelson et de Morley, c'est d'étudier les mesures de la vitesse de la lumière que font des observateurs qui se trouvent sur la Terre. Alors je vais dire la planète plutôt que la Terre dans la suite, parce que sinon on va arriver avec des phrases genre la Terre se déplace par rapport à l'éther et on va rien comprendre. Donc voilà, je vais plutôt dire la planète à la place de la Terre. Donc je reprends. Donc Michelson et Morley envisagent que des observateurs situés sur la planète donc font des mesures de la vitesse de la lumière. Si cette planète se déplace par rapport à l'éther, ce qui est une hypothèse assez raisonnable, vu que la planète est en train de tourner autour du Soleil et on s'attend a priori à ce que l'éther ça soit quelque chose de fixe par rapport au Soleil, bon, bah, dans ce cas-là, donc, la planète est en train de se déplacer par rapport au milieu dans lequel se propage la lumière. Et du coup, la vitesse de la lumière devrait dépendre de la direction dans laquelle elle se propage, vue depuis la Terre. La vitesse de la lumière dans la direction du mouvement de la Terre devrait être différente de la vitesse de la lumière dans la direction perpendiculaire à la Terre. Et alors ça, il se trouve que l'interféromètre de Michelson, ça permet de mesurer cette différence de vitesse là, entre les deux directions de manière extrêmement précise, en faisant justement des interférences. Et ce que montrent Michelson et Morley, en faisant tourner leur interféromètre dans différentes directions et puis en faisant des mesures à différentes périodes de l'année. En fait, ils montrent qu'ils n'arrivent pas à mettre en évidence de différence de vitesse de la lumière dans les deux directions, ce qu'ils interprètent par le fait que la Terre semble immobile par rapport à l'éther. La planète semble immobile par rapport à l'éther. Alors une interprétation de ça, ça pourrait être que l'éther soit entraîné par la planète. Mais ça contredit le résultat qu'on a vu tout à l'heure de l'expérience de Fizeau, qui confirmait le fait que l'éther était partiellement entraîné par les corps. Donc d'une part, l'expérience de Michelson-Morley semble dire que l'éther est complètement entraîné par le corps, la planète Terre, alors que Fizeau, lui, confirmait que ça l'était simplement partiellement. Voilà. Michelson fait l'expérience et ne voit rien. Il ne voit pas de changement d'état d'interférence. Précisément, il s'attendait, il avait fait le calcul, hein, il savait de combien ça allait changer, et l'effet était gros comme le nez au milieu de la figure. On devait voir quelque chose, on ne voit rien. Et donc là, il commence vraiment à y avoir un problème. Il semble qu'effectivement, la vitesse de la lumière ne soit pas liée à un éther, ce soit un peu plus compliqué que ça. Et ça rejoint quelque chose qu'on avait aussi remarqué, c'est les propriétés de l'aberration stellaire sont curieuses, c'est-à-dire, si effectivement, l'aberration stellaire, c'est dû au fait que voilà, on a la lumière qui nous arrive depuis avec une certaine vitesse, et puis nous, on va à une certaine vitesse, voilà, ça se compose. On s'attend à un effet, si on comprend l'aberration comme ça, on s'attend que l'aberration, la quantité d'aberration, dépende de la vitesse de la lumière, et donc ne soit pas la même pour tous les corps. Parce que, avait déjà raisonné plusieurs personnes, il n'y a aucune raison que, si la lumière, c'est quelque chose qui est émis par un corps, tous les corps émettent la lumière avec la même vitesse. En particulier, si on a une étoile qui est en train de se déplacer vers nous, cette étoile elle vient vers nous, elle envoie de la lumière depuis son point de vue à une certaine vitesse, cette lumière devrait nous arriver plus vite que si l'étoile est en train de s'éloigner de nous. Donc on devrait avoir une lumière, d'un point de vue, qui est plus rapide pour les objets qui se rapprochent que pour ceux qui s'éloignent. Et donc, comme parmi nous, autour de nous, les étoiles, il y en a autant qui s'éloignent que qui s'approchent, on devrait voir certaines vitesses de la lumière qui sont plus faibles que d'autres, et du coup certaines aberrations qui ne sont pas les mêmes aussi. L'aberration, je vous rappelle, c'est le rapport entre la vitesse de la Terre et la vitesse de la lumière. Donc ça dépend effectivement de la vitesse de la lumière. Donc on devrait voir certaines étoiles qui ont une aberration importante, d'autres qui ont une aberration moindre, mais ce n'est pas le cas, elles ont toutes rigoureusement la même. Donc il semblait, avec aussi le phénomène d'aberration, que la vitesse de la lumière soit la même pour toutes les étoiles. Toutes les étoiles qu'on regarde nous envoient de la lumière avec la même vitesse, ce qui était bizarre. Donc voilà, ces deux bizarreries-là vont remettre en cause
la notion effectivement de vitesse relative de la lumière par rapport à un corps. Et la suite de ça, donc là je ne vais pas du tout en parler, mais on en reviendra probablement sur ça à un autre cours, ça va être la relativité restreinte, dont le postulat de base, ça va être que la lumière ne se propage pas dans un éther. La lumière se propage de la même façon dans tous les référentiels. La vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel dans lequel on est. Si vous avez une étoile qui s'éloigne, qui s'approche, elle vous envoie de la lumière à la même vitesse. Il y a un autre effet, hein, qui est l'effet Doppler, la fréquence n'est pas tout à fait la même, mais ça c'est une autre question, mais sa vitesse, elle, ne dépend vraiment de rien. Ni de votre vitesse à vous en tant que récepteur, ni de la vitesse de l'étoile en tant qu'émetteur. Et alors juste pour conclure vraiment sur ça, c'est pas vraiment mon expérience, mais l'histoire des déterminations de la vitesse de la lumière ne s'arrête pas en 1905, il y a des méthodes de plus en plus précises pour le faire, mais d'une certaine manière, elle s'arrête en 1983, puisque à ce moment-là, on décide de définir le mètre en fonction de la vitesse de la lumière et non plus l'inverse. C'est-à-dire on postule, on écrit, on définit par convention la vitesse de la lumière vaut ça. Il n'y a pas de chiffre après la virgule là, c'est pas une valeur approchée, c'est une valeur exacte. La vitesse de la lumière, ça vaut ça. Et du coup, ça vous dit ce que vaut un mètre. Si vous savez par ailleurs ce que vaut une seconde, ben voilà, un mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en 1 divisé par ça, seconde. Et donc on utilise en 1983 le fait que la vitesse de la lumière, c'est une grandeur fondamentale qui est la même pour tout le monde, indépendamment de son état de mouvement. Et du coup, on définit ça comme ça, et c'est le mètre après qu'il faut définir de manière précise. Mais d'une certaine manière, ça n'a plus de sens après 1983 de mesurer la vitesse de la lumière. Ce qui a du sens à partir de ce moment-là, c'est de mesurer le mètre de manière précise. Oui. C'est vraiment exactement ça. Il n'y a pas de... Oui. Tu veux dire, c'est pas une approximation, ouais. Non, c'est 0,0000, c'est égal. Ils sont vraiment, c'est vraiment très précis. Ça. On définit ça, on le définit, on l'écrit, on le décide, et après, ce qu'il faut savoir, c'est ce que vaut un mètre. Et le mètre, si tu veux, on l'arrange toujours pour que ça, la lumière de la vitesse de lumière valse ça exactement. D'accord.